Bonjour, bonsoir amis lyonnais, très très heureux de vous retrouver. Vous êtes sur l'interférence lyonnaise pendant près d'une heure sur la chaîne Gone Back. On est très très heureux de vous retrouver enfin à la maison. Nous étions en déporté avec Sidney Govou au restaurant ICO. Vous avez pu suivre ça en direct, émission que vous pouvez retrouver dès à présent sur notre chaîne. C'était une immense expérience avec toute l'équipe, mais là on est de retour à la maison pour débriefer les matchs de l'Olympique Lyonnais. Lyon-Auxerre remporté 2-1 et plus récemment Lyon-Angers que l'on a gagné 5-0. Donc l'OL est reparti et nous repartons avec l'équipe du soir. Le DAV évidemment, toujours présent avec le polo Gone Back, très corporate. On apprécie aussi les gens corporate. Et évidemment le John pour accompagner notre invité exceptionnel, Philippe Violo. La dernière fois qu'on s'était vu, Philippe, tu étais invité à l'OL et nous avions pu te voir 5 minutes jouer au match des légendes. Comment tu vas ? Ça va très bien et bonsoir à tous. Bonsoir et on est très heureux, encore une fois, de te retrouver pour débriefer l'actu de l'Olympique Lyonnais. Donc merci à tous de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, je sais, ça fait racoleur, c'est un petit peu chiant. Mais pour nous, c'est immensément important parce que ça nous permet après de faire du contenu de qualité. Pour vous, les amis, nous allons commencer. Et là, je parle pour Jeannot le stagiaire. Nous allons débuter le débrief des matchs de l'OL. Jeannot, jingle. Alors, merci à tous d'être avec nous. Nous allons débuter le débrief des victoires. Et oui, enfin, l'Olympique Lyonnais enchaîne les victoires. Dave, tu as une statistique. L'OL intraitable à domicile, je crois. Eh bien oui, c'est parce qu'on est quand même à 8 victoires de rang au Groupama. Évidemment, à cheval sur les deux saisons. C'est quand même pas mal, sachant qu'on n'a pas super bien terminé quand même la saison d'avant en terminant seulement 8e, mais néanmoins, il y avait eu quand même 4 victoires de rang Groupama additionnées aux 4 victoires de cette saison, ça fait 8. Donc on va dire que le public est plutôt gâté. C'est vrai. Espérons qu'on va mieux finir qu'à 8e place, c'est tout. Ouais, c'est vrai que si on démarre bien, vaut mieux qu'on finisse bien aussi, sinon ça serait un peu dommage. C'est ça. Philippe, une manita à domicile et tu finis sur un clean sheet, c'est quand même de bon augure pour l'OL, non ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est effectivement, à partir du moment où l'OL gagne à domicile, c'est de bon augure. Après, comme on a pu le voir contre Auxerre, comme on a pu le voir contre Angers, on leur souhaite tout simplement de continuer de la sorte. John, est-ce que on va commencer par Auxerre, qui est plutôt le match peut-être le moins réussi des deux, hein, évidemment, ne serait-ce que par le score, mais peut-être même par le déroulé. Qu'est-ce qui t'a plu dans le match à Auxerre et qui a emmené progressivement vers le match à Angers ? Ben, on va dire que ce qui m'a plu dans le match contre Auxerre, c'est un truc un peu particulier, c'est le fait qu'on ait gagné, tu vois. Ouais. Pourquoi je dis ça ? Ça vous semble anodin, mais fut un temps, l'OL, ce genre de match qui pouvait devenir un peu compliqué, où l'équipe en face était assez hargneuse et refusait de lâcher le morceau, se mettait à les perdre, en fait, finalement. Et on perdait des points bêtement comme ça. Là, c'est une victoire qui est un peu à l'arraché. C'est vrai que c'est pas une très belle victoire, tout comme l'adversaire qui est censé être relativement faible par rapport à Lyon. Mais au moins, on l'a gagné ce match et on va récupérer 3 points. Donc, c'est ça que j'essaie de retenir un peu en positif, malgré tout l'aspect négatif sur le match qui n'était pas forcément exceptionnel. Au moins, cette fois, on l'a gagné. Et ça, en fin de saison, c'est ces comptes-là qui sont très importants. Dave, est-ce que finalement, Angers, c'est pas la première mi-temps contre Auxerre sur 90 minutes ? Parce que moi, j'ai plutôt vu un match cohérent contre Auxerre, mais qui finalement, pas forcément nos anciens démons qui reviennent, mais surtout nos anciennes erreurs qui reviennent. Et on s'en souvient évidemment avec le désert de Gobi défensif, hein, avec ce but d'Auxerre. Dave, est-ce que finalement, Auxerre, c'était pas l'entraînement pour Angers ? Oui, oui. Certainement, sans manquer de respect à ces équipes-là, évidemment, quand tu prétends retrouver l'Europe et même la Ligue des Champions, on va dire, normalement, à domicile, il faut prendre les points face à Auxerre, un peu, et face à Angers, le 19e. Donc, ça a été fait.
Moi, je dirais que les gens ont quitté le Groupama contre Auxerre, pensant aux bêtises qui avaient été faites, donc une énorme erreur de placement sur le premier but. Ils sont restés là-dessus. Je pense, mais encore plus, moi c'est ce que j'entendais, j'étais au stade moi-même, il parlait beaucoup du petit miracle avec la claquette magique de Rémy Rioux sur la frappe de Gaëtan Perrin. Et du coup, tu dis, bon, t'as gagné, mais finalement, t'es en train de parler de l'erreur de placement On s'est entaché le contenu avec ça. Qui te sauve du 2-2, pardon. Et je pense que ça a entaché un peu le truc, mais globalement, quand même, la copie, on est assez critique. Les gens ont peur. C'est que les gens ont peur. C'est notre équipe, mais on est quand même assez critique. Et là, il faut reconnaître que le contenu y était. Moi, j'ai trouvé contre Auxerre. Et après, ça n'a pas fait un pli, évidemment, contre Angers. John, selon toi, on a peur de quoi, nous, supporters de l'Olympique Lyonnais? De revivre, même à 2-0. Ces démons. Bah oui, revivre ces démons dont tu parlais. C'est de revoir ce genre de match où, comme tu dis, on fait une très bonne mi-temps. On arrive à dominer, à installer le jeu. Et puis d'un seul coup, les joueurs s'éteignent, l'équipe s'éteint et c'est terminé. Là, le petit promu va devenir le géant ogre de Ligue 1 et nous faire extrêmement peur avec des actions qui sont de plus en plus dangereuses. Il va prendre un but et puis potentiellement un deuxième. Et c'est ça qu'en fait que chaque supporter a peur de revivre dès qu'il regarde un match de Lyon et qu'on voit cette petite baisse de régime. C'est de se dire qu'en 20 minutes, on peut mener un match 3-0 et le voir ce 3-3 arriver, voire même 4-3 à la fin. Donc moi, je comprends, quelque part, que les supporters gardent en tête les erreurs qu'on voit, parce que c'est la confiance, elle est rompue. Mais ça, faut pas l'oublier. On a besoin de voir une vraie série très longue de matchs avant de pouvoir se dire, OK, là, on a retrouvé l'OL tel qu'on connaissait il y a quelques années. Là, vraiment, on est enfin menaçant. Non, là, je suis content, c'est bien, il y a une bonne série, mais je reste très méfiant, je vais pas vous mentir. Les prochains matchs qui arrivent, ils sont cruciaux. Je suis pas hyper confiant. Bah oui, on en reparlera tout à l'heure, mais... Cette semaine va être un vrai tournant. Hein. Moi, je vais revenir. Je vais revenir, Philippe, sur le côté série. Est-ce que un championnat, c'est pas finalement une addition de matchs qu'on gagne en souffrance et de matchs qu'on maîtrise de bout en bout? C'est un peu ce que j'ai vu contre Auxerre, où on ternit un peu le contenu avec un 2-1 qui est un peu galvaudé. En revanche, on repart sur un 5-0 contre Angers qui est de meilleure facture. Est-ce que c'est pas un peu ça une saison? Oui, c'est le schéma idéal. En revanche, c'est bien plus compliqué que ça. Si on reprend le match d'Auxerre, sans un costil exceptionnel, à la mi-temps, le match était plié. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que costil, on parle de l'arrêt de Rémy, mais costil avant a multiplié les arrêts et sans ça, le match aurait été plié à la mi-temps et s'aurait fait, à mon sens, quasiment la même chose contre Angers. Donc, d'accord. Voilà. Après, on s'est rendu le match difficile. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps. Parce qu'on a retrouvé une équipe lyonnaise qui a complètement déjoué en deuxième mi-temps. Le but qu'on prend, que Lyon prend, c'est une aberration. Ah, c'est une cagade. C'est terrible. Tu incrimines qui, toi, Philippe? Parce qu'il y a eu plusieurs écoles. Il y a Vercoute qui a sorti la Kalachnikov contre Gusteau. Moi, selon David, c'est plus le penant qui ne suit pas forcément les consignes. À qui tu l'attribues? Je l'attribue à toute l'équipe. Quand on mène 2-0, on n'attaque pas à 10, quoi. Je veux dire, il y a une limite, quoi. Je veux dire, c'est si le ballon il est plus d'un côté, évidemment que le côté opposé il doit compenser. Alors on peut incriminer tout le monde, mais là je pense que c'est encore une fois c'est une erreur collective. Certains doivent dire aux autres non, vas-y pas. Enfin voilà, si c'est à domicile. En gagnant, on n'attaque pas à 10. Tu comprends quand même qu'une équipe comme l'Olympique Lyonnais, même si c'est l'Olympique Lyonnais, peut avoir ce genre de saute de concentration. Ou alors, là, il faut que ce soit terminé parce que tu vas jouer à l'extérieur contre Lorient, Monaco et Paris. Là, il va falloir rectifier ça. Et tout à fait, c'est là où je mettrai le petit bémol. Je me prolonge sur le match d'Angers. Bien sûr, Angers, la transition, on passe à Angers. Voilà. Bien sûr. Angers est en grande difficulté, donc pour moi, ce n'est pas un match référence. Certes, là, cette fois-ci, ça rigolait, le match a été plié rapidement. Donc voilà, mais on est contre une équipe qui est en réelle difficulté. Donc nous, on n'a pas été mis en difficulté. Donc là, on s'est retrouvé dans un confort, quelque part. Voilà. Okay.
Les matchs qui arrivent maintenant vont être complètement différents. Faut aller à Lorient, derrière on a Monaco, on a Paris. Là, ça va être plus compliqué. Les saisons passées, on a un petit peu critiqué la défense. Je trouvais que défensivement, on n'était pas au rendez-vous. Je dirais que sur ce début de saison, je ne suis pas hyper rassuré non plus de ce côté-là. Okay. Quoi. Voilà, je pense qu'il y a... Il y a mieux à faire. Alors, c'est pas pour incriminer ne serait-ce que la défense. C'est vraiment aussi un problème collectif. Tu retrouves encore les errements défensifs. On n'est pas serein comme on a pu l'être par le passé, défensivement. Dave, on va revenir sur le 5-0 maintenant. Dites-nous dans le chat, évidemment, ce que vous avez pensé du match de l'OL gagné 5-0. Philippe parlait finalement. D'un Noël qui a tenu son rang, moi c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans des matchs difficiles, Auxerre, on sort vainqueur. Dans des matchs entre guillemets plus favorables du point de vue des aléas, on sait mettre le clou là où il faut, on sait gagner 5-0. C'est important aussi qu'un club comme l'OL appuie l'empreinte et appuie ce match avec un 5-0 d'AV. Ah oui, tout à fait. Puis en fait, c'est le sentiment... Alors, c'est normal, on va dire, hein, c'est quand même des professionnels, mais moi, je suis donc juste à côté par rapport à mes fonctions, juste à côté du brin adverse. Et franchement, moi, je les entendais parler et il n'y a pas eu photo. Alors, évidemment, quand on regarde le tableau d'affichage, oui. Mais même dans les intentions, dans tout ça, et Lyon a vraiment maîtrisé, et plus que maîtrisé. Moi, j'ai adoré les deux buts de la tête qui sont top, Lacazette et Loukeba. Mais moi, je mettrais quand même un petit truc, parce que j'ai trouvé assez injuste le traitement envers Toko Ekambi et Moussa Dembélé. Sur l'année dernière ou sur le début de saison ? 42 buts l'année dernière à eux deux. Et là, quasiment, il ne fallait plus qu'ils soient dans l'effectif. Il faut les remplacer, etc. Et mine de rien, Toko met un doublé, Moussa Dembélé met un but stratosphérique de puissance. On reviendra après sur l'individualité. Voilà. Et franchement, moi, j'en retiens ça. Au-delà que Lyon a vraiment très bien maîtrisé son sujet, mais c'est que voilà, on ne va pas enterrer trop vite les gars qui ont largement porté l'Olympique Lyonnais dans une saison assez médiocre l'année dernière. John, j'ai envie de t'entendre sur le jeu, parce qu'on entend évidemment, c'est une lapalissade pour certains, une maraude pour les autres. Le jeu, ce fameux jeu, cette philosophie, ce truc. Moi, ce que j'ai vu, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est des premiers circuits préférentiels, des premiers trucs où tu sais forcément que ça va marcher et que les joueurs se trouvent sans se regarder. Je pense à Tété et Gusteau. Il y a les premières choses qui commencent à se voir du point de vue du jeu. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Bon, oui, on va dire que dans l'absolu, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai envie de dire, heureusement qu'on commence à voir des circuits entre Gusteau, Tété et d'autres joueurs. Maintenant, je reste moi quand même beaucoup plus mesuré, beaucoup plus réservé hein, sur le jeu qu'on a vu. J'oublie pas qu'on affronte, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, on affronte donc Auxerre et là maintenant Angers. C'est pas des équipes qui ont les moyens techniques et physiques de nous mettre une vraie résistance capable de nous empêcher d'étaler notre jeu. Moi, on parle de Moussa Dembélé, de Carto Kekambi qui ont fait des bons matchs. Oui, d'accord. Mais oui, Dembélé faisait aussi de bons matchs la saison passée, mais contre les grosses équipes, il n'était plus là. Et quand il fallait être clutch dans les moments clés, dans les matchs charnières, où il nous fallait gagner pour avoir un progressement, il n'était plus là non plus. Donc c'est ça que moi, je veux pas non plus qu'on soit acheté des lauriers un peu partout. On a une équipe qui, face à des petits, là, montre ce qu'elle doit montrer. C'est-à-dire que c'est une équipe supérieure, elle doit montrer du jeu et dominer. Maintenant, je l'attends, une vraie régularité face à des équipes, on va dire, de moyen niveau et de haut niveau comme on va affronter contre Monaco et Paris. Et là, et surtout moi ce que je crains, c'est que si on se mange une claque contre Monaco contre Paris, ça peut casser notre dynamique. Et voilà, et là ça te règle tout. Ça remet en question des joueurs, des mentalités, ça remet en question des schémas de jeu, etc. Et on rentre dans une spirale de nouveau infernale. Donc là, je suis vraiment beaucoup plus méfiant. Je vois pas un jeu transcendantal qui m'a convaincu. Non. Je vois des améliorations, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses perfectibles. Moi, c'est ce que j'attendais de toute façon. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Philippe. C'était qu'on profite un tout petit peu de cette série de matchs abordables pour placer notre jeu, pour arriver en conquérant face à Monaco et Paris. Mais avant ces deux matchs-là, il y a un match à l'extérieur. Parce que là, on a vu l'OL à domicile. On a enchaîné énormément de matchs à domicile. Là, on a le match à l'extérieur. C'est un peu différent, non ?
Bah, tout à fait, je te rejoins encore. Quand on dit que oui, il faut gagner les matchs contre les équipes qui sont, entre guillemets, censées être plus faibles, ou quelquefois Lyon a pêché contre ces équipes-là. Là, aujourd'hui, on a pris les points. Donc, ouais. On les a pris. Maintenant, il va falloir confirmer ça dans un premier temps à Lorient. Et après, il faut quand même enchaîner donc Monaco, Paris, sans oublier Lens, parce que Lens, ce n'est pas un cadeau non plus. Donc, bien sûr. Donc là, y a, on va dire, on a trois semaines qui... Même s'ils se sont fait accrocher par Reims, on le rappelle, qui nous a fait... Reims qui n'est pas une facile à jouer non plus. Donc, exact. Donc voilà, donc c'est... je pense que on pourra tirer dans trois semaines beaucoup plus d'enseignements que sur ce début de saison. Mais après, pour revenir sur la qualité du jeu, cette équipe elle a un gros potentiel. Donc il faut lui faire confiance quand même. Voilà, il faut. T'as vu des premières choses intéressantes ? Oui, bien sûr, parce que certes il y a des errements. Alors on a remis un petit peu de joueurs un petit peu plus chevronnés dans l'effectif et tout ça. Il faut encore que la mayonnaise prenne. Elle est quand même relativement jeune malgré tout. Donc voilà, c'est jamais simple d'évoluer avec une équipe qui est relativement jeune, surtout quand on veut jouer le haut du tableau. Donc voilà, mais moi, je reste relativement confiant et je pense que même contre des équipes comme Paris ou Monaco, on est capable de faire de très très belles prestations. Dave, j'ai envie de poser une question moi, à Philippe. Là, on parlait un petit peu du milieu de terrain. Assez vite, ouais. Tu as été un numéro 6 incroyable. Moi, vraiment, un de mes joueurs préférés de cette époque de titre. Et je ne le dis pas parce que tu es là. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Si tu étais à la place de Peter Bosz, juste un instant, ce milieu de terrain où on ne comprend pas toujours si c'est 2-6, si c'est un 6 points de basse avec le penant ou Cacré quand le penant n'est pas là. Tolisso. Si tu étais à sa place, comment tu l'organiserais ? Était un vrai 6 points de basse, est-ce que tu rééditerais ça ou est-ce que 2-6 ça peut te séduire aussi? Comment en clair, qu'est-ce que tu ferais? Et dites-nous dans le chat aussi comment vous voulez exactement que le milieu soit mis en place par Peter Bosz. Je suis pas entraîneur et je critiquerai jamais ce qui est mis en place ou quoi que ce soit. Je parlais pas de critiquer, hein, juste ton avis à toi. Voilà, en revanche, je suis plus fan de pour protéger ma défense de jouer avec malgré tout deux numéros 6 qui aujourd'hui ne sont pas des numéros 6 comme moi j'étais à l'époque, qui sont des joueurs qui sont qui peuvent être projetés vers l'avant, si j'étais entraîneur, je pense que j'opterais plus un schéma comme ça et plus pour protéger ma défense, surtout que dans une situation comme celle-ci où aujourd'hui on est un petit peu en difficulté. Donc je pense que ça pourrait lui permettre de se rassurer, parce qu'une fois qu'on a passé le milieu de terrain, dire que derrière on ramasse les miettes, mais plus ou moins. Donc voilà, je suis plus fan d'un système à deux milieux axiaux plutôt qu'un seul. En tout cas, Peter Bosz, alors on va peut-être pas dire qu'il a de l'or entre les mains, mais il a à minima de l'argent entre les mains, parce que il a quand même une diversité de profils qui est pas trop mal, même s'il manque quand même le mec qui est un petit peu tour de contrôle, régisseur, notamment en haute altitude, hein, notamment pour les duels de la tête. Ça, il nous le manque un peu, mais sinon, pour tout le reste, il y a quand même un petit peu ce qu'il faut. Autre joueur qui était attendu au tournant, et j'ai envie d'entendre le chat et tous les chroniqueurs plus Philippe Violo, notre invité, c'est sur Romain Fèvre. Parce que Romain Fèvre, il a quand même la lourde tâche d'essayer de combler le départ de Paqueta. Je ne vais pas dire remplacer, parce que pour moi, c'est une hérésie de vouloir remplacer un joueur comme Paqueta. Mais Romain Fèvre, dans le profil, si tant est que contre Auxerre, beaucoup ont dit que Romain Fèvre était effacé, je crois qu'en termes de statistiques, en tout cas, et c'est factuel sur ce match contre Angers, il a été plutôt en progression et en progrès. Et moi, j'aime bien ce qu'il montre sur le terrain. On va commencer par John. Est-ce que Romain Fèvre te convainc à ce poste-là de numéro 8 créatif ? J'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Il y a une vraie marge de progression. C'est un joueur que j'aimais déjà beaucoup son profil avant qu'il arrive à Lyon. J'étais un peu déçu qu'il n'ait pas eu l'occasion, on va dire, de vraiment
prendre sa place de titulaire ou du moins de vraiment montrer tout ce qu'il pouvait faire quand il est arrivé. Après, la saison était très compliquée, que ce soit au niveau du classement, de l'équipe, ouais, etc. Donc là, je pense que c'est vraiment sa saison, l'occasion de lui montrer. Et franchement, je trouvais qu'il a fait un bon match. Je pense que c'était vraiment pas mal. Moi, je suis pas autant en train de le casser que d'autres. Et je pense qu'au contraire, il faut lui donner la confiance de répéter comme ça ce genre d'opération, de continuer à s'améliorer, de progresser encore et encore et encore et encore. Et je pense que vraiment, très belle surprise. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais que je suis pas forcément dans le sens du plus grand courant, mais moi, je pense que ce joueur peut être sympa. En tout cas, il est en progression. En tout cas, il était un peu... Il est très jeune, faut pas l'oublier. Hein. Ouais, mais il était un peu timoré, timide contre Auxerre, parce que ça a été peut-être un de celui qui a le moins tenté au milieu. En revanche, contre Angers, moi, je l'ai trouvé très solide. Philippe, qu'est-ce que tu en retires du match de Romain Febvre? Il a cette patte gauche déjà, cette créativité aussi, et dans ses prises de balle, il peut faire du bien pour sortir d'un pressing. Bon, déjà, il a une super patte gauche, donc voilà, avoir un gaucher dans un effectif, ça, j'aime bien. Surtout au milieu, c'est un avantage, c'est une évidence. En plus, il y a beaucoup de qualité. Après, je reviens un petit peu au système pour pouvoir bien s'exprimer. Il faut aussi qu'il soit peut-être libéré de certaines tâches, qu'il sente que derrière lui, il est en sécurité pour qu'il ait plus d'entrain offensif, de plus de liberté. Donc on en revient un petit peu au système dont on parlait tout à l'heure. Les joueurs, il faut vraiment qu'ils se sentent en confiance pour pouvoir s'exprimer au mieux. Peut-être si aujourd'hui il n'a pas réussi encore à se lâcher comme il a pu le faire les saisons précédentes. Pour toi, il joue encore avec le frein à main? Je pense, et on n'a pas vu le meilleur encore de Romain Febvre. Ça, c'est une évidence. Donc, une fois qu'il, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il est très jeune aussi. Donc, il faut surtout aussi, à ce niveau d'exigence-là, parce que c'est ça, bref, c'est pas Lyon. Il faut enchaîner les matchs de haut niveau, il faut se confronter à plus fort. Sa place. Travailler dur et puis se sentir en confiance et se sentir que derrière soi, on peut y aller, on peut se libérer. C'est vraiment un sport collectif, et si pour que tout le monde s'exprime bien, il faut qu'on ait la confiance. Il faut que ce soit huilé, surtout au milieu. Exactement. T'as Jean-Michel Aulas, je ne sais pas si tu le connais, en tout cas dans le chat, qui dit « Merci Philippe de me donner raison sur le cas Febvre ». Donc très très bien, Jean-Michel est très content de l'utilisation de ces 18 millions d'euros. Donc, est-ce que c'est le vrai? L'histoire nous le dira. Mais au-delà sur Romain Febvre, moi ce que j'aime bien, c'est que comme tu le dis Philippe, il apparaît un petit peu encore avec le frein. Pour moi, il a cette marge de progression. Et là, il devient beaucoup plus cohérent, ne serait-ce que pour le pressing. Tu le disais, le milieu de terrain, c'est une question de rouage, d'habitude, d'automatisme. Et là, je pense qu'il est en train de le prendre. Et à ce poste-là, c'est important aussi. Dave, Romain Febvre, est-ce qu'il t'a plutôt convaincu? Non. C'est pas un joueur. C'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur que Lyon, en plus, a payé un peu cher. C'est un joueur qui est sûrement en devenir et qui reste jeune, bien évidemment. Maintenant, dire qu'il m'a convaincu sur les deux matchs, non. Je vais être très honnête. Moi, je pensais même sur le deuxième match contre Angers, qu'il allait essayer Cherki. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il faut faire jouer ce gars-là quand même un moment. Et que moi, je pensais, parce que là, les tests sur deux matchs qui s'annoncent piégeux quand même, au Moustoir et à Louis II, deux déplacements dans la semaine, les tests, c'est fini. À mon avis, c'est fini. Et voir ce soi-disant joyau, Ryan Cherki, enfin à son poste de numéro 10, donc c'est-à-dire au poste de Febvre. Et ben moi j'y croyais, et non pas que je sois fan de Cherki, c'est pas ça, mais simplement dans, encore une fois, la palette que peut avoir à disposition Peter Buzz. Il ne l'a pas fait, il a conforté Romain Febvre, tant mieux, on a gagné les deux matchs, hein, donc on va pas lui jeter la pierre, bien évidemment. Non, je me plains pas, mais moi, il m'a pas tellement convaincu dans les intentions. Je suis d'accord avec vous sur l'aspect frein à main. Et moi, je serais pas tellement surpris que sur ces matchs-là, où Peter Buzz est parfois un peu frileux sur certains matchs, on l'a vu l'année dernière, qu'il aligne le penant Cacré-Tolisso.
et qu'ils ressortent Fèvre. Ça ne, donc toi, pour toi, ça il ne sort pas gagnant Fèvre, de la ça concurrence. Ça ne surprendrait pas qu'il n'y soit pas. Donc il est pas, c'est pas le gagnant, le grand gagnant de la concurrence. Non, je pense pas. Il est sorti les deux fois assez vite. Je ne pense pas. John, t'as pas l'air forcément d'accord. Est-ce que t'as un droit de réponse sur la DAV? Non, non, mais je vois ce que David veut dire. Après, j'ai pense dit que... qu'il était dégueulasse. Hein. Non. Je n'ai pas dit ça non plus. Hein. Je ne te fais pas dire ce que tu n'as pas dit, mon cher David. Après, chacun son avis. Hein, je respecte. Hein. Certains sont meilleurs que d'autres, c'est tout. Maintenant, bon, moi, je pense que le penant, tu vois, tu parlais de donc, faire rentrer le penant, Kakré et Tolisso. Je pense que c'est pas le même profil. C'est pas le même style de jeu, c'est pas le même objectif. Quand tu fais rentrer le penant à la place d'un Fèvre, par exemple, c'est pas ton l'esprit que tu veux mettre en place n'est pas le même. Tu vas être beaucoup plus sur un esprit défensif, avec une volonté de vraiment de conservation de ballon. T'es plus dans cet esprit créatif que peut apporter un Romain Fèvre, allant vers l'avant. Je pense que c'est pour ça que les deux sont pas forcément opposés. Au contraire, ils sont complémentaires. Et c'est bien que Peter Bosch ait finalement ces deux jeunes joueurs à sa disposition. Parce qu'il peut vraiment s'adapter à la situation, s'adapter en cours de match par rapport au scénario, et je pense que c'est ça la force qu'on va avoir. Par contre, je trouve que le comparatif entre Cherki et Fèvre, là, est meilleur, parce qu'effectivement, là, on a deux joueurs en profil un peu similaire, en tout cas, dans l'objectif, est un peu similaire, même si chacun a des palettes techniques un peu différentes, et je trouve effectivement que le fait que Fèvre, en tout cas, pour le moment, passe devant Cherki, c'est un peu un signe. Après, l'avenir nous dira comment ça joue, hein. Mais moi je suis content parce que je vais te dire sincèrement, je préfère Romain Fèvre à Ryan Cherki. Voilà, je préfère largement aujourd'hui ce joueur terrain à Ryan Cherki. Ouais. Moi aussi je suis d'accord. Tu évoquais avant de passer au top flop, les amis, préparez hein, déjà dans le chat vos tops, vos flops. On a besoin de ça aussi parce que vous êtes très souvent plus pertinents que nous, parce que nous on tourne en rond, mais vous allez droit au but sans faire de publicité à l'ennemi olympien. On va parler de Moussa Dembélé. T'as commencé à l'évoquer un petit peu, mon cher David. C'est le super sub Moussa Dembélé. Autant on pouvait douter un petit peu de son implication parce que Moussa Dembélé, je le rappelle, en tant que super sub, ça peut être stratosphérique contre Manchester City, totalement famélique avec l'année Garcia. On ne savait pas trop sur quel pied danser. Départ peut-être, prolongation annihilée. On ne savait pas trop sur quel pied danser avec Moussa Dembélé. Finalement, il est dans ce rôle de super sub à la Lacazette, profil totalement différent. Il entre, il marque. David, si tu dois défendre Moussa Dembélé, c'est ton moment. Non, bah, je pense qu'il n'y a pas tellement à le défendre, hein. Les chiffres parlent pour lui. Effectivement, Rudy Garcia n'en voulait pas et c'est pour ça qu'il s'est exilé à Madrid. Mais moi, je sais sur ce sûr que Moussa Dembélé, lui, aurait bien voulu, n'était pas forcément partant pour Madrid d'ailleurs. Mais bon, il n'était pas désiré, donc voilà. Dès que ça a changé de coach, il est revenu, il nous a fait une saison où franchement, il nous a vraiment porté en fin de saison dernière. Donc là, moi, j'étais content qu'il reste, tout court. Moi, les finances du club, les fins de contrat, ce n'est pas notre problème à nous, très, très franchement. Donc voilà, ça fait un super sub. Je pense que ceux qui pensent l'associer avec Lacazette ou quoi que ce soit, je pense que ce n'est pas dans les plans de Peter Bosz et que ça restera un super sub jusqu'à que peut-être un jour il fasse tourner ou que Lacazette soit fatigué, blessé, suspendu, etc. Mais en tout cas, en tant que super sub, pour répondre à ta question, pour moi, c'est bonus, bonus, c'est du luxe. Bonus, c'est du luxe. Philippe, Moussa Dembélé, ce but stratosphérique, hein, on le rappelle, ballon qui semble perdu, un petit peu jeté au déboté, et puis finalement la puissance, la rapidité, la conduite de balle aussi, et puis la finition sur Bernard Denis, c'est quand même un but assez stratosphérique de Moussa, non? Ouais, tout à fait, on peut que le féliciter pour ce but magnifique. C'est vrai qu'au départ, il n'a pas forcément beaucoup d'avance sur son défenseur et puis on le voit pousser le ballon, prendre de vitesse. Moi, j'y crois pas au départ, hein. Clairement. Non, moi non plus, hein. Je me suis dit, bon, il va revenir. En plus, on avait le temps, il pouvait revenir, faire jouer, peut-être trouver une autre solution, mais il a décidé d'y aller tout seul et comme un grand. Et après, l'angle hyper fermé. Bon, il y a peut-être un peu de réussite, mais bon, voilà, il est allé au bout de son idée et c'est sa caractéristique, hein. C'est un garçon physique, puissant, qui ne rechigne pas sur les efforts. Voilà, donc, voilà. Alors, on peut lui reprocher parfois un peu de maladresse ou quoi que ce soit, mais,
mais je pense que c'est des joueurs qui sont importants dans un effectif parce que sur certains matchs, ils vont pouvoir user les défenseurs, ils vont pouvoir ils sont fatigants parce qu'ils sont tout le temps là au pressing, ils mettent la pression. C'est, donc on en aura besoin. Cette saison, on en aura besoin, ça c'est sûr. Depuis ce qu'on peut voir depuis le début de saison, il joue le jeu. Donc on peut être que satisfait de son comportement et j'espère qu'il va garder cet état d'esprit toute la saison en tout cas. John, Moussa Dembélé, alors toi et moi, John, on va pas trahir de secret, on n'est pas les plus grands fans du profil Moussa Dembélé, mais là, moi, je dois acquiescer que sur ce qui me paraissait être ses défauts, à savoir sa mobilité, sa vitesse et sa conduite de balle, le mec, il me donne tort sur cette action-là, en tout cas. Non, mais le banc lui va si bien. C'est étrange de dire ça, mais c'est pas faux. J'ai l'impression que c'est un joueur, dès qu'il est sur le banc et qu'il entre en tant que super sub, il se transcende, il se donne à 2000% et parvient à faire des actions assez stratosphériques. C'était même le cas avant, hein, même sous Rudy Garcia déjà, quand il était sur le banc parce qu'il n'était pas forcément à 100% au début du match. Dès qu'il rentrait sur le terrain, il apportait un impact physique, un changement dans le style aussi offensif, et ça fonctionne. Donc, c'est vrai que c'est super. Et comme disait Romain sur le chat, j'ai lu tout à l'heure, tous les grands clubs d'Europe ont des super subs, alors pourquoi pas nous? C'est vrai que finalement... C'est pas faux. C'est très très bien. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Donc, continuons comme ça. Et puis, le jour où Alexandre sera un peu fatigué ou aura besoin de souffler, il reprendra une place de titulaire provisoire, et peut-être même qu'il arrivera à montrer qu'il il en veut encore. Je pense que quelque part, c'est aussi ça la différence. C'est qu'avant l'arrivée de la Lacazette, il n'avait pas de concurrence Dembélé. Il était tout seul en tant que numéro 9. Ah ouais. Ou alors il y avait Kadewere ou on ne sait pas trop qui. Oui, il était tout seul. Ouais, t'as dit concurrent. Donc, on est d'accord. Mais juste sur Moussa et Lacazette, parce que sur nos réseaux sociaux et notamment Instagram, aujourd'hui, il y a eu une petite question. On a essayé de vous faire interagir sur le cas Lacazette et Moussa Dembélé, qui doit être titulaire. Alors, si Lacazette sort en premier, et c'est certainement la logique, vous me direz dans le chat, il y en a beaucoup qui souhaitent une association, Lacazette-Dembélé, parce que si tu as un Dembélé qui est hyper prolifique aussi et que tu as un Lacazette qui continue à être soit proéminent dans le jeu et décisif dans les buts, Philippe, est-ce qu'une association pour toi est possible et serait peut-être même nécessaire ? Nécessaire, je pense qu'il faut le mesurer. En revanche, je pense que cette doublette peut fonctionner, comme je disais tout à l'heure, avec un point d'appui qui peut être Dembélé et Lacazette 9,5 qui tourne autour. Sur des matchs plus fermés, plus tendus, ça peut servir. Tout à fait. Avec la finesse de Lacazette, la puissance de Dembélé devant pour. Comme je disais tout à l'heure, pour épuiser les défenseurs, pour les embêter, pour les mettre de la pression et Lacazette derrière qui pourrait profiter de tout ça avec sa finesse technique, sa finition. Je pense que c'est un schéma qui peut fonctionner. Maintenant, peut-être pas évident à mettre en place, mais pour moi, ça pourrait fonctionner. En tout cas, tant que la concurrence est saine, on pourra toujours essayer de le voir, mais je pense que l'important, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il faut que la concurrence soit saine, justement pour se garder l'association, parce que si ta concurrence n'est pas saine, t'as beau foutre une association, ça ne fonctionnera pas. Sans concurrence, on n'avance pas. Ça, il faut le dire à certains dans notre équipe. Mais, si la concurrence n'est pas saine, effectivement, ça pose problème. Mais c'est l'art du coach, à partir du moment où on a un effectif étoffé avec des talents, après il faut savoir composer avec, il faut savoir faire comprendre aux uns et aux autres pourquoi ils ne jouent pas ce match. Les raisons. À partir de là, je pense que ça devrait bien se passer, mais coacher, ce n'est pas facile. C'est pas facile, et surtout quand on a autant de talents dans une équipe, aujourd'hui... Surtout pour un huitième du dernier championnat. Tout à fait, mais je pense que à peu de choses, l'issue du championnat l'année dernière aurait pu être complètement différente. Donc voilà, mais là aujourd'hui, il y a un effectif vraiment de qualité. Les amis, on va passer au top flop si vous le voulez bien.
Là, par contre, je vous veux viril mais correct sur le top flop parce que je sens que mon cher David peut être d'accord avec le site WhoScored qui a placé en homme du match côté Olympique Lyonnais Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi, noté à 8,8. Un joueur, franchement, qui est du pain béni pour nous, commentateurs de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est soit catastrophique, soit magnifique, entre guillemets. Dithyrambique. Ouais, dithyrambique, exactement. C'est, voilà, il y a rarement de demi-mesure sur Toko. Dave, quel est ton top ? On commence par toi. Ouais, on peut être tenté par ça. Moi, plutôt un homme de l'ombre, et c'est pas parce qu'on reçoit Philippe Violon, mais moi j'ai beaucoup aimé Maxence Cacré. Et déjà, d'ailleurs... Il est noté à 6,9. Voilà, mais bon, les notes, voilà. Mais il a été précieux. Mais j'ai les stats, moi, si tu veux, Pélo. Hein. Ouais, okay, je te crois. mais je l'ai trouvé précieux. Moi, j'ai beaucoup regardé ses déplacements. Je suis bien placé pour voir ça. Et vraiment, il m'a plu. Et on n'a pas forcément parlé. C'était plutôt Toko. Même en 8. Tagliafico, qui a fait un gros match, etc. Mmh. Mais moi, j'avais un petit penchant pour Cacré sur ce match-là. Voilà. Donc, Cacré en pour la DAV. Moi, j'aurais plutôt mis Tolisso si tant est qu'il fallait glorifier un milieu de terrain. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. John, ton top ? Moi, mon top, bah, il l'a cité déjà David, mais je veux le marquer le coup, c'est Tagliafico. La tag, noté à 8. Ouais, je trouve qu'il fait vraiment un très bon début de saison à Lyon. Ça fait du bien, en fait, de voir un latéral, surtout à cette position, qui fait du bon travail. Donc, je le mets un peu en avant. Et s'il continue comme ça, franchement, ça peut vraiment être super sympa pour le reste de la saison. Donc, ouais, Tagliafico, le moi, taureau c'est ce argentin, que... bravo. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit moi sur Twitter, c'est que c'est un buffle et au moins on sait qu'il fera l'effort, c'est-à-dire que même quand il est cramé, il a un troisième poumon dans la besace et ce troisième poumon s'appelle la hargne et ça c'est très intéressant et très important. Après, rien n'est parfait, surtout offensivement où il apporte malgré tout assez peu, mais bon, c'est finalement un défenseur gauche de profil. Est-ce que tu es d'accord avec ces tops, mon cher Philippe ? Est-ce que tu es plus Cacré ? Est-ce que tu es plus Tagliafico ? Ou un autre joueur, d'ailleurs ? C'est deux joueurs que j'apprécie beaucoup. Tagliafico, quand on voit la passe qui amène le premier but contre Auxerre, c'est ça. C'est pas tout le monde qui est capable de la faire et de la doser. Voilà, et de la doser comme elle a été dosée. Nantes, vraiment très bon joueur. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un garçon d'expérience, un garçon qui lâchera jamais rien. Très bonne qualité, peut-être un peu moins de qualité offensive qu'on peut avoir les jeunes joueurs d'aujourd'hui. C'est vrai que les profils latéraux aujourd'hui sont des joueurs qui sont relativement assez offensifs. Lui, il l'est un peu moins, mais pour moi, ça ne me dérange pas, puisque défensivement, on a besoin de se rassurer aussi. Pour moi, c'est l'exact opposé de son compère Malo Gusto. C'est l'exact opposé. Les seuls trucs qui les rapprochent, c'est quand même l'envie. Parce que même si Malo Gusto a certains errements défensifs, l'envie lui permet de compenser. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que c'est finalement un joyeux déséquilibre entre ces latéraux ? Tout à fait. Après, Malo Gusto, il est très jeune. Donc, il est emporté par sa fougue. Et tant mieux, parce qu'il fait quand même de passer des... Non, mais tout à fait. Tout à fait. On aurait pu le citer aussi, hein, parce qu'il fait un beau début. Noté de à 8. Donc, voilà. Après, il est jeune. Je pense qu'il a besoin aussi de progresser dans les placements défensifs aussi. Donc, mais voilà. Et après, pour en revenir au milieu de terrain, Maxence, actuellement... après sa blessure, je trouve qu'il est revenu à un niveau très intéressant avec une facilité, une fluidité dans le jeu. Des passes, comment il casse les lignes dans ses passes, une vision de jeu, c'est hyper fluide. Donc on a envie de le voir contre les grosses équipes parce que tellement son jeu est simple et sobre et efficace. Quoi. Si tu dois en citer qu'un, Philippe, allez, faut se mouiller. Ton top numéro 1. Maxence. Maxence Cacré, donc.
Pour les chroniqueurs du soir, c'est Maxence Cacré. Je suis un milieu de terrain, donc bon, voilà. Il a pris ton numéro cette année, en plus. Il a pris ton numéro. Oui, j'ai vu. Et moi, je vais sans doute prendre son maillot, parce qu'autant son ancien numéro, je n'étais pas fan, le 6, c'est t'as quand même déjà, une petite saveur. Ouais, là, oui. Là, dans le chat, je veux poser une petite question. Est-ce qu'il y en a un qui se souvient du numéro de Philippe Violo lors de son arrivée à l'Olympique Lyonnais? Ouh là là, alors ça c'est la question bonus. Je sais, je vais rien dire. Est-ce que un autre grand joueur a porté ce numéro ou c'est que identifié Philippe Violo? Un numéro très lyonnais. 69? Non. Ça aurait pu. De petits joyaux du centre de formation qui l'ont porté successivement. Voilà. Est-ce que c'est le 24? Je vois que Jules Marc Martin propose le 24. 55? Pas du tout. Même pas? Vas-y. Hein. Allez, dans la mèche. À l'époque, on n'avait pas le droit. On attend un petit peu et on passe. On n'avait pas le droit, on est d'accord. 69, 55. Vous aider, à l'époque, on n'avait pas le droit d'avoir des numéros. Il y a du 18 qui sort. Jordan Meney. Alors, on ne le connaît pas, ce Jordan Meney, mais c'est lui qui a gagné. Bravo. Et ben, c'est du 18, ouais, comme Fekir, je crois. Oui, Fekir, ouais. Et Cherki. Cherki, Atem Benarfa. Steve Malbranque, Atem Benarfa. Il y en a eu pas mal. Bravo. Bravo David pour ce. Bon, là, c'était pas le centre. Voilà. Pour ce mini-jeu, alors ça, c'était le côté positif, d'accord. Excusez-moi, j'ai fait perdre 3 minutes à l'émission. Désolé. C'est pas grave, tu seras viré. Mais non, on va passer au flop. Là, c'était positif, mais là, on passe au flop. Quels joueurs vous ont déçu? Alors, c'est plus compliqué sur un 5-0, mais je sais votre pertinence et je ne doute pas que vous allez trouver un flop dans ce match, puisque. Quand tu es supporter de Lyon, tu es exigeant et l'exigence, c'est aussi déceler le négatif dans un 5-0. John, quel est ton flop pour ce match? Mon flop pour ce match? Oui, chef. J'ai pas spécialement beaucoup aimé le match de TT, personnellement. C'est le moins bien noté de l'équipe, 6,7. Oui, je pense que c'est pas anodin. Hein. Il n'a pas fait un match flamboyant. Je l'ai trouvé un peu en dessous par rapport aux autres, très irrégulier, beaucoup d'erreurs. Et Jérôme Coco est d'accord avec toi. Bon, super. Voilà, je suis content d'avoir des accords avec le chat, mais des erreurs de placement notamment. Enfin, voilà, je l'ai trouvé un peu en dessous. Bon, ça peut arriver. Hein, il a été très très bon dans ce début de saison, donc je ne vais pas lui jeter la pierre. Mais voilà. Est-ce qu'il a pas plus été très décisif qu'immensément bon aussi? Ah, c'est possible. Ah, c'est possible. Ouais. Ouais, tourner comme ça, c'est possible. Après, et tant mieux. On prend. Hein. C'est sûr. Maintenant, peut-être aussi que lui aussi, parce que c'est une théorie que je défends, ne ressent pas forcément de danger pour l'instant à son poste et que ça peut être ce qui ne le pousse pas forcément par moment à dépasser. On va dire la tranquillité de ses qualités. Hein. Dès qu'on a aisance technique, surtout quand on est brésilien, qu'on arrive à faire des choses, on peut très vite tomber dans des facilités. Ouais, en plus, il récupère le 11. Mmh. Voilà, moi, je dis ça comme ça. Hein. J'ai pas ni de preuves, ni d'annonces. Mais voilà, je me dis peut-être que le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de vraie concurrence à un poste, ça peut influer sur la mentalité des joueurs. Dave, ton flop. Alors, mon flop, c'est TT. Je vais copier mon ami Sevenol du chat, Morgan, qui le dit depuis tout à l'heure, mais c'est ce que j'allais dire. Cet été, effectivement, j'étais un peu déçu. Mais alors, il y a un truc quand même à noter qu'on n'a pas parlé. C'est que son opposant du soir, qui était Doumbia, je ne me souviens pas de son prénom, Yaya peut-être. L'arrière-gauche, un bon joueur, très bon joueur d'Angers, qui était soi-disant un temps sur les tablettes de l'OL. Et alors, j'ai une petite stat, c'est qu'il a gagné 100% de ses duels face à TT. Donc, et pourtant, il est noté à 6. Ceci explique peut-être cela. Oui, il a fait partie du marasme en 2020. Souleymane Doumbia. Souleymane, voilà. Et bien, c'est 100% des duels remportés face à TT. Donc, à un moment, TT, ça peut... Est-ce que c'est inquiétant de se dire c'est que Angers, c'est que Doumbia et frérot, t'en passes 0? L'avenir nous le dira, mais moi je mettrais TT et je suis un tout petit peu inquiet à chaque match que notre cher Malo Gusto prenne un ou deux boulevards à chaque fois. Il se fait déborder un peu, je n'ai pas tellement l'habitude de voir ça chez nos latéraux. Et là, je suis un petit peu inquiet pour ça. Je rejoins mon pote Cyril également dans le chat qui le dit. Voilà, mais je mettrais quand même TT en flop numéro 1.
En tout cas, selon les statistiques pures, alors moi, je prends une ligne de lecture. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais au moins, ça nous permet d'être cohérent sur du long terme. Et ce sera WhoScored qui nous accompagnera pour les analyses de ces matchs. En revanche, Dave, un petit avocat du diable quand même, Tété Gusto, ça fonctionne. Et ça fait des dédoublements. Et du coup, peut-être qu'un Tété qui rentre trop à l'intérieur, qui n'est pas hyper propice, ça libère quand même Gusto qui a été stratosphérique, offensivement parlant. Offensivement. Monsieur Violo, comme j'aime bien l'appeler, quel est votre top, votre flop, pardon, flop. De ce match? Quel est le joueur qui vous a le moins convaincu? Moi, je rejoins nos amis. En revanche, je dirais pas que c'est un flop. On l'a vu un petit peu moins. trop gentil, Philippe. que les autres, que sur les autres matchs. Effectivement, en face, il avait un client. Ça, c'est une vérité. Plutôt deux, si je me permets, parce qu'il jouait quand même à 5 derrière. Il y avait Souleymane Doumbia, il y avait Mendy. Donc, je pense que c'était pas de passer sur ce côté-là, c'était pas le plus évident. En revanche, dans un match qui est complètement maîtrisé, qu'on le voit un peu moins, ça ne me dérange pas. Voilà. Effectivement, c'est le joueur qui a été peut-être le moins en vue. Mais bon, parfois, on ne le voit pas trop, mais il est là. C'est ça. Il peut être décisif. Il marque des buts, et parfois des buts très importants. Donc, ça a été le joueur peut-être le moins en vue, mais voilà, je ne suis pas inquiet. Après, tout le monde, chaque joueur ne peut pas faire 100% de ses matchs à fond. Quand on gagne 5-0, c'est pas non plus. Oui, c'est vrai. Vous voyez qu'il soit mauvais sur un 5-0 et bon contre un Monaco qu'on va peut-être gagner 2-1. Quoi. On est entièrement d'accord. on est entièrement d'accord, mais il y a un joueur qui défraye la chronique. Non, j'en fais beaucoup trop. Mais il y a un joueur qui souffle le chaud et le froid. J'ai envie de parler de Thiago Mendes, mes amis. Eh oui. Parce que, en tout cas, Twitter, ça déchaîne les passions. Nous n'avons pas le droit de trouver Thiago Mendes cohérent défensivement. Alors, moi, je fais mon disclaimer du soir. Je ne suis pas un pro Mendes. Ou alors, si j'en suis un, j'étais plutôt d'accord avec ceux qui voulaient le recrutement d'un défenseur central et qui préféraient Thiago Mendes en rotation. Donc, pour un pro Mendes, je me trouve assez mesuré. Mais juste, je veux revenir sur Thiago Mendes. Est-ce que pour vous, on a le droit de le trouver pertinent malgré le fait que, c'est peut-être pas ambitieux de ne pas avoir recruté de défenseur central, mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'il est pertinent, Philippe? Moi, ça fait plusieurs fois que je dis, je pense que c'est pas son poste. Maintenant, est-ce que c'est un choix par défaut? Est-ce que je ne saurais pas vous dire? Pas l'air. Ça n'a pas l'air. Je pense que le coach boss a l'intention de le laisser à ce poste-là. Moi, je pense que c'est pas son poste. Maintenant, en revanche, on est tous d'accord. Match après match, malgré tout, il se fait au poste, on va dire. Il se fait au poste. Je veux pas dire qu'il est que c'est vraiment le défenseur de métier. Je suis pas fan. Il te convainc pas. Je pas à ce poste-là. Voilà. Question un peu plus ouverte. Excuse-moi, Dave. J'ai juste une question qui a popé en mon esprit. Est-ce que toi, Philippe Violo, tu aurais pu descendre d'un cran et jouer défenseur central? Je l'ai fait une fois ou deux pour dépanner. Je l'ai fait une fois ou deux pour dépanner. Alors, tu l'aurais mal pris? Non, pas du tout. Après, moi, j'ai joué avec Laurent Blanc, qui était milieu de terrain, qui est défendu défenseur central et qui a fait une magnifique carrière défenseur central. Faut vraiment avoir le profil et s'y mettre. Moi, j'avais un profil qui courait beaucoup, beaucoup. Quand on est défenseur central, on s'ennuie un petit peu, quoi. C'est un poste. Chaque poste est particulier. Il faut avoir les aptitudes, le ressenti. C'est peut-être pour ça.
C'est peut-être pour ça que Mendes est bon, c'est qu'il a jamais trop couru au milieu de terrain, donc finalement redescendre, ça lui va comme un gant, tu vois. Ouais, on peut dire ça, mais voilà, j'avoue que. Surtout qu'on peut rappeler, tu parlais de Laurent Blanc et de changement de poste. Laurent Blanc, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier Hérault, quand même. Oui, bon, voilà. Après, Laurent Blanc. Il en a mis pas mal en tant que numéro 10 quand même, mais bon. Non, mais voilà, il est quand même meilleur buteur. C'est quand même, on peut changer de poste, comme quoi c'est probable. On peut. John, en deux minutes, s'il te plaît, sur le cas Thiago Mendes. Est-ce qu'on a le droit de le trouver pertinent ou alors est-ce que c'est un manque d'ambition de le trouver cohérent? Non. T'as parfaitement le droit de le trouver pertinent. C'est parce que s'il est bon lors de ses matchs, on le trouve pertinent. Maintenant, moi, je rejoins presque à 100% ce qui est dit dans le chat par plusieurs personnes, que ce soit Simo ou d'autres. Je pense qu'il faut attendre de voir les gros matchs contre les grosses équipes pour vraiment juger le niveau de Mendes. Ça vaut pour tout le monde. Mais ça vaut spécialement aussi pour lui parce que lui, il y a un doute en fait sur sa position. Peut-être. Ouais, je suis d'accord. Ce que je dis, c'est que Thiago Mendes, ne pas avoir recruté, c'est pas que c'est un choix, c'est pas. Non, c'est un risque qui a été pris par l'OL. Parce que vu les remplaçants de Thiago Mendes. Parce que vu les remplaçants de Thiago Mendes, si Thiago Mendes n'est pas bon. T'es foutu. Sinali. Beaucoup demandent Sinali Diomandé. Oui, mais Sinali reste aussi un risque, c'est l'incertitude. On ne sait pas comment Sinali revient, quel est vraiment son niveau, s'il est. Voilà. En fait, pour moi, à un poste aussi important que le central, il y a trop d'incertitudes aujourd'hui à l'OL. C'est ce que dit Ruud. J'aimerais le retour de Diomandé s'il retrouve une bonne forme. Bon, en tout cas, on l'a compris, Mendes devra prouver contre les gros matchs plus que toute l'équipe, finalement. Mais t'es pas loin de m'avoir convaincu, John, avec ton côté. Vu que c'est un risque, on en attend plus. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. La question sur lui, ça serait pas est-ce qu'il est plus convaincant quand même en défenseur central qu'en numéro 6? Ça, c'est sûr. Tout le monde te dira oui. Si tu me poses la question, je te dirais que je le préfère derrière. Alors, autant je suis d'accord avec Philippe pour une question de placement et qu'on n'a pas tout à fait l'assurance, etc. Mais par contre, moi, je l'ai trouvé décevant pendant 2 ans en poste de 6. Et là, je ne suis pas son plus grand fan, je veux bien le reconnaître. Mais là, à partir du moment où Peter Bosz fait ce choix, qu'il l'installe... Ça, pour moi, c'est le bon aussi, choix. Parce qu'il y en a qui disent « Ouais, Lyon manque d'ambition, on n'a recruté personne derrière. » Arrêtons avec ça. C'est un choix de Peter Bosz de ne pas avoir recruté derrière. C'est un choix risqué, ouais. Bruno Cherou l'a très bien expliqué. Il est quand même aux ordres de Peter Bosz pour essayer de lui amener ce qu'il veut. Mais c'est risqué. Il ne voulait pas défenseur central. Oui, mais c'est risqué. On a attendu tout l'été un défenseur central. Il ne veut pas nous écouter. Les gars, il est suffi. C'est pas prévu. Donc voilà. Bon, en tout cas, nous verrons, mais... C'est toujours intéressant d'avoir l'avis déjà d'un ancien professionnel du poste. Hein. C'est quand même du luxe hein, parce que nous, on peut dire ce qu'on veut, même si j'ai eu un petit niveau. Bon, moi, c'était en amateur, d'accord hein. C'est pas champion. Les croisés, tu connais forcément. Les croisés, tout ça, comme on dit, hein, évidemment. nous allons rentrer dans les 5 dernières minutes. Et là, je vous veux chaud dans le chat, les amis, parce que je veux le bilan du mercato en 5 minutes. Oui, nous sommes capables de le faire. Et évidemment, nous avons passé 2 mois à s'écharper sur qui recruter, qui vendre, qui dégager, qui faire venir. Et là, je vous demande un bilan en 5 minutes. Bon courage. On va commencer par Philippe, évidemment. C'est peut-être celui dont on n'a pas entendu l'avis encore. Le mercato de l'Olympique Lyonnais, question simple, réponse simple. Est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce qu'on s'est renforcé? Oui. Oui, on s'est renforcé, même si... Faire comme les profs. Oui, mais pourquoi? Il faut développer. Déjà, le fait que Hassan Aouar ne parte pas, je pense que c'est une bonne affaire pour nous parce qu'il y a du monde au milieu, mais il va falloir compter sur lui aussi. Il est revenu à l'entraînement. C'est intéressant. Ouais. Voilà, c'est super intéressant. Ouais. Bien sûr, donc ça c'est plutôt... Ça va faire jaser, mais super intéressant. Oui, mais bon, je pense qu'un joueur de cette qualité... voilà, raison, c'est, Philippe. Franchement, c'est hyper important de l'avoir dans son effectif. Donc oui, ce qu'on a pu faire avec Tagliafico, qu'on disait tout à l'heure, qui est, je pense que derrière va nous apporter... Ah, c'est une plus-value versus Emerson. Oui, c'est sûr, c'est certain. Voilà, on avait besoin d'expérience. Corentin Tolisso au milieu,
Voilà, il va amener son expérience et au fil surtout des matchs. Surtout en Suisse. Très voilà. Intéressant, je sais pas si tu as entendu qui dit que il sentait pas très bien en 8, il avait du mal à se retourner, retrouver sa sensation. Retourner en 6 où il a évolué au Bayern, ça lui a fait plaisir. Ça, c'est bien aussi. C'est un grand joueur aussi qui sait être objectif. Bah, bien sûr, là, je pense que c'est ce qui manquait, je pense, bah ouais, vraiment dans sûr. Le milieu lyonnais. Maintenant, lui, de retrouver sa pleine forme, et puis je pense que ça va pas sur tarder. La durée. Et vraiment, vraiment, on pourra que être satisfait de son retour. Et moi, je suis aussi un fan d'Alexandre Lacazette, donc c'est tout. La tête est splendide contre Angers, ouais, le contrôle, mais même si c'est un but annulé, c'est. Ouais, strato. Non, voilà, cette finesse technique, ce sens du but, les déplacements, enfin, voilà, je valide Mercato. Et TT qu'on conserve et les prolongations aussi qui rentrent dans le bilan. Donc toi, pour toi, tout à fait. On parlait de Dembélé est resté aussi. Donc voilà, on a. Toi, pour toi, ceux qui sont restés ne sont pas un problème, parce que je pense que dans l'immense majorité du chat et sur les réseaux sociaux, c'est l'inverse, tout simplement. Alors, je ne dis pas ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir justement pourquoi Oussem Aouar, c'est une si bonne chose, en tout cas une bonne chose qu'il reste à l'OL, parce que t'as vu les derniers matchs, t'as vu toute la polémique qui est autour de lui. Fait surtout pour lui aussi, je suis pas sûr, etc. Ouais, toi, tu vois en fait encore une possibilité pour lui de briller entre guillemets à l'OL, d'avoir un vrai rôle à jouer cette saison? Bien sûr. C'est à lui de travailler, de revenir à son niveau. Après, son niveau, lorsqu'il est à son niveau, il y a pas de comparaison. Je dirais, il apportera que des choses positives au club. Maintenant, est-ce que c'est pas le bon moment non plus, parce qu'on voit qu'on tergiverse un peu deux ou une sentinelle. Qui qu'on met en 8, qui qu'on met en 6,5, enfin tu vois, c'est le moment qu'ils reviennent. Je suis entièrement d'accord, mais si il revient à son niveau, et j'en ai aucun doute, il postulera sans problème pour être un titulaire indiscutable. Ça, c'est une évidence. Il y a beaucoup de jeunes, il a quand même beaucoup plus d'expérience que certains. Maintenant, oui. Pour moi, il n'y a pas de problème et il va se retrouver en fin de contrat. Faut qu'il se montre, Pour toi, ça peut être finalement la bonne surprise. C'est dur à dire hein, pour Oussem Aouar. Ça fait, il a commencé il y a longtemps maintenant, je crois en 2017, je crois, si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Mais, il est à la fois très très jeune. Et ouais, il a 24 ans. Donc voilà, c'est. Voilà, pour moi. Comme Romain Fèvre par là, c'est à peu près. Ouais, en termes d'âge. Tout à fait. Donc c'est, enfin voilà, je pense que c'est, enfin je pense que les clés c'est lui qui les a. Voilà, tout d'accord. Simplement, c'est lui qui les a c'est à lui de trouver les solutions pour revenir. Mais bon, physiquement, le talent est là. Voilà, c'est à partir du moment, enfin. Tant que physiquement on n'est pas bien, on ne peut pas s'exprimer. Donc voilà. Lui, c'est la thèse que j'ai toujours défendue ici, voilà. En tout cas sur Oussem. Exactement. Donc, que ce soit pour n'importe quel joueur. Hein, voilà, après, c'est des choses qu'on peut cacher un petit peu plus quand on joue derrière ou au milieu. Mais quand on a des postes offensifs, voilà, on ne peut pas tricher à ce niveau-là. Donc c'est certainement là-dessus qu'il faut qu'il travaille. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on. On le reverra, je pense, au très très haut niveau, il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, voilà un nouveau casse-tête dans la musette de Peter Bosz pour construire son milieu de terrain. Mais bon, j'ai envie de dire, t'es 8e du championnat, t'as quand même Oussem Aouar et Moussa Dembélé potentiellement sur ton banc. Bon, ça va. Je pense que ça va. Il nous reste 30 secondes. Merci à tous d'avoir été là. Mais je veux entendre David et John sur le mercato, le bilan. Nous n'avons plus le temps, mais nous pouvons donner des notes. Et oui, c'est hyper discrétionnaire, je sais. Mais sur 10, sur le mercato lyonnais en globalité, la note de David sur 10, le mercato lyonnais est de... Et de 9,5. Ah ouais, putain, il finit en débat. Dites-nous dans les commentaires. Hein. J'ai 9,5. Je vais me faire descendre comme d'habitude. Non, mais c'est pas grave. Je le fais exprès en plus. 9,5. Pourquoi ?
4 victoires, 1 nul. T'es d'accord avec moi, Philippe, on doit être champion là. Normalement, on est sur Paris, bah oui, bah toujours plus. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça pour calmer les ardeurs de ceux qui pensent que Lyon a été timide. Non, il y a un truc qui s'appelle la Coupe du Monde, exceptionnellement dans 2 mois. La trêve n'est pas dans 4 mois le 1er janvier, elle est pratiquement dans 2 mois le 1er novembre. Quand tu débutes aussi bien que tu as certaines. Mais ça, t'étais pas sûr. Tu as des certitudes avec Peter Bosz qui croit fermement en sa défense centrale. Lyon aura tout le loisir de rectifier ce qui n'aura pas été sur ces 2 mois, sachant que normalement c'était 4 mois. Cette Coupe du Monde change énormément de choses, donc c'est pour ça que Lyon après s'en est arrêté là pour l'instant, et on verra dans 2 mois, et on ajustera pendant la Coupe du Monde et pendant le Boxing Day, etc. etc. Voilà. Toi, tu crois à la poupée qui pète, hein, mon Dave, hein, vraiment, hein, parce que la cornemuse à la Chéroux en mode « Attends, je sors les bifetons en janvier, pélo ». C'est parce que je suis du club, nanana. Non, pas du tout. Même pas. Je parle bien de Coupe même du pas, Monde. Même pas, c'est tout seul. T'as même pas d'excuse. La Coupe du Monde, exceptionnellement en novembre, change la donne pour le mercato. Après, a une trêve dans 2 mois et pas dans 4 mois. Oui, mais tu peux pas dire qu'ils ont pas été timides quand même. Enfin, je veux dire, tu vois la balance positive, il y a 40 millions, t'as acheté pour 9. Quoi. Merci, ouais. Lyon dépensera peut-être, si ça ne va pas sur les 2 mois qui viennent et si Lyon est 8e, je peux vous dire que Lyon va dépenser. En tout cas, Jus Guimarès, dans le chat, te remet à tes pénates. Ça mérite même pas la moyenne. Donc ça dégage. David, au parloir, nous discuterons. On est potentiellement premier dans 2 jours et on va être... deuxième. Je te demande de juger le mercato, pas les résultats. Mon cher, quoique ça peut être lié, tu me diras. John. Ouais. Bon, bah déjà, vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout d'accord avec David. 9,75. Moi, je vais... 10, carrément. Non. En fait, moi, c'est simple. J'étais à un 6 sur 10... jusqu'à la vente de Paqueta, et c'est tombé à 4 sur 10. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une décision... Même pas la moyenne, t'es d'accord avec même pas la moyenne. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une décision qui est risquée d'un point de vue footballistique, d'un point de vue football, qui n'a pas vu réellement de stratégie pour pallier à ça en fin de mercato, et qui montre surtout que le club, dans sa stratégie mercato, n'a pas pris tant de risques que ça, et surtout a été relativement... fébrile. Oui, c'est fébrile, mais assumé, enfin, il fallait qu'il l'assume. Maintenant, ton argumentaire, David, c'est aussi l'analyse que j'ai faite de la stratégie du club, je ne suis juste pas d'accord. Voilà, moi je pense que c'était pas la bonne chose à faire. À voir si le club aura raison, effectivement, d'ici la fin du mercato hivernal et du début de la nouvelle année, mais là on verra. Mais moi en tout cas, personnellement, là pour le coup, je ne suis pas d'accord avec la stratégie du club, et je ne crois pas que ça va fonctionner. Maintenant, j'ai été trompé, hein. Le fait qu'on puisse remettre un petit peu à zéro les compteurs dans 2 mois, au lieu, je le répète, de 4 mois, c'est un truc qui a forcément joué dans la tête des dirigeants lyonnais. Oui, oui, c'est bien sûr. Plus passé que nous, Philippe, si tu veux dire un mot par rapport à ça. La conclusion là-dessus, c'est toi qui sera le juge de ce débat. Je rejoins ce que dit David, c'est une saison qui va être très particulière. Voilà, c'est une question de cheveux, ça, on peut pas rivaliser. Oui, cette trêve internationale pour la Coupe du Monde, ça va tout chambouler. Des équipes qui vont perdre beaucoup de joueurs, d'autres beaucoup moins. On fait quoi pendant la trêve? C'est sûr, on va s'entraîner, on va faire des matchs amicaux, mais ça va être une saison très particulière à mon sens. Et on va pas être dans la rythmique d'une saison classique. En fait, il y aura, à mon sens, 2 championnats. Voilà. En tout cas, nous verrons si l'OL aura été pertinent, parce que là, on parle de comparaison de mercato. Et finalement, c'est les résultats qui vont donner relief à un bon ou à un mauvais mercato. On finit avec le petit Sahel Koumbédi, surprise du chef aussi en provenance du Havre. On lui espère évidemment un destin à la Ferland Mendy, en tout cas footballistiquement parlant, j'entends. Mais voilà. On suivra ça de très très près. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci évidemment à l'honorable Philippe Violo de nous avoir gâté ce soir encore une fois. Donc merci à Dave, merci à John, merci Philippe Violo, et à très très vite pour une prochaine interférence lyonnaise.
certainement, je dis bien certainement, après Lorient. Sur ce, très très bonne soirée à tous. Abonnez-vous, c'est important. Et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao. Salut.